Bonjour les taureaux, voici votre tirage trimestriel de ce mois de juin, juillet et août. Je vais vous donner les prévisions que je reçois grâce au Tarot de Marseille et au Golden Universal Tarot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, rapidement, je me présente, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalililatarot.com et de la chaîne ici Lalililatarot. Vous retrouvez les guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, les guidances trimestrielles, semestrielles et annuelles pour tous les signes. Je vais commencer tout de suite, mais avant, je vous encourage à regarder pour avoir plus d'informations sur votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire dans la playlist prévue à cet effet. J'ai réalisé plusieurs playlists ici sur la chaîne, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo du signe qui vous intéresse. Allez, on y va les taureaux. On va commencer par le mois de juin. Donc, quels sont les messages ici pour ce mois de juin pour vous? Allez, première semaine, donc nous avons le monde. Deuxième semaine, nous avons le chariot. Nous avons l'ermite pour la troisième semaine et pour la quatrième semaine, nous avons ici la lame tempérance. Alors avant de commencer, même si vous regardez cette vidéo durant le mois de juillet ou durant le mois d'août, rien ne vous empêche de regarder les tirages du mois de juin et du mois de juillet pour voir en fait ce qui s'est passé pour vous et faire un comparatif avec les messages que je vous donne ici. Donc voilà, si vous commencez à regarder la vidéo au mois de juillet, voilà, c'est pas grave, hein. Vous pouvez regarder le tirage du mois de juin et faire en fait un, comment on appelle ça, un comparatif comme je vous ai dit, hein, tout simplement. Donc on va commencer tout de suite donc avec la première semaine. Alors ce que je peux vous dire déjà avant de commencer là, c'est qu'on a une première partie de ce mois de juin assez dynamique. Je vous vois agir, être en mouvement. Et c'est vrai qu'à la fin de ce mois de juin, vous allez plutôt vous mettre en retrait pour réfléchir, pour peut-être faire des choix, prendre des décisions et surtout prendre soin de vous parce que vous avez vraiment besoin de vous ressourcer. Parce que ces derniers temps ont été difficiles pour certains taureaux. Donc j'ai la sensation que vous allez réellement prendre du recul par rapport à vos projets et justement faire des recherches plus approfondies pour définir vos objectifs et être beaucoup plus précis dans ce que vous souhaitez faire par la suite. Donc là, avec le monde première semaine, ça peut parler de déplacement. Déplacement, de prendre quelques jours de vacances. Ça parle aussi de communication avec l'étranger. Vous pourriez communiquer avec des personnes qui vivent à l'étranger. Ça peut concerner le travail ou des relations amicales. Ça signifie aussi que vous pourriez signer un contrat lié à l'international. Durant cette première semaine, vous allez vous sentir vraiment satisfait de tout ce que vous avez entrepris, vous allez vous sentir épanoui, vous allez aussi ressentir ce besoin de vous reconnecter à votre âme et à vos désirs. Je sens un épanouissement qui est en train de se manifesté pour la plupart d'entre vous durant ce mois de juin. Donc c'est vrai que vous serez plutôt content, satisfait durant cette première semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le cavalier de coupe qui parle bien d'une nouvelle opportunité, d'une invitation à un événement pour certains d'entre vous. Ou bien ça peut parler du début d'une histoire amoureuse comme une invitation à l'amour durant cette première semaine. Vous serez vraiment épanoui hein, durant cette première semaine. Moi, je ressens vraiment des énergies très positives. Je ressens beaucoup d'amour autour de vous. Donc, vous allez vraiment vous sentir à votre place pour cette première semaine. Alors, pour cette deuxième semaine, avec le chariot, vous allez vous déplacer là aussi. Donc, vraiment, là, vous serez vraiment en mouvement. Ça peut parler de déplacement dans le cadre du travail,
pour prendre quelques jours de vacances, pourquoi pas un déménagement. Vous allez vous occuper de votre voiture pour certains d'entre vous, de votre véhicule, peut-être un contrôle technique, des réparations à prévoir. Ça signifie aussi que vous retrouvez une certaine détermination, beaucoup d'ambition, de volonté à faire les choses, à faire ce qui est essentiel pour vous durant cette seconde semaine. Et on me parle aussi d'évolution. Donc c'est plutôt prometteur. Allez, là, on a ici valet de bâton. Donc ça signifie bien que vous êtes sur la bonne voie d'une évolution, d'une progression dans tous vos projets. Donc c'est plutôt positif et rassurant. Vous êtes vraiment déterminé, je le ressens. Vous avez confiance en vous. Confiance en votre bonne étoile, et c'est une bonne chose parce que toutes les graines que vous avez semées, eh bien, elles vont finir par germer, hein, si je peux dire ça comme ça, hein, c'est une image, mais ça signifie bien que vous allez être récompensé par l'univers à un moment donné. Durant, comme je vous l'ai dit, cette seconde moitié de ce mois de juin, l'heure sera plutôt à la méditation et à la réflexion, donc ici avec l'ermite, vous allez méditer. Si vous cherchez des réponses à vos questions, la méditation est un bon outil, est une solution qui peut vous permettre d'y voir beaucoup plus clair sur ce que vous souhaitez, que ce soit sur le domaine financier, professionnel ou sentimental. Après, il est vrai que ça peut parler d'une certaine lenteur. Ça peut parler aussi de retard, cumulé ou pas. Ça peut aussi parler de restrictions. Vous allez vous sentir un petit peu limité dans vos démarches, dans vos envies durant cette troisième semaine. Et puis, ça peut parler de recherche pour justement étudier un nouveau savoir. Ça signifie aussi que certains d'entre vous pourraient être épaulés par un guide, un mentor. Donc voilà, donc là, il y a énormément de choses à apprendre. Vous pourriez mieux vous découvrir, apprendre sur vous-même. Il y a quand même une prise de recul pour certains d'entre vous durant cette troisième semaine, mais c'est une prise de recul plutôt positive qui va vous faire beaucoup de bien. Ok, une lame majeure, regardez, elle est très puissante, cette lame majeure, c'est la tour. Alors, elle a un côté négatif, un côté positif. Dans le côté négatif, ça peut signifier qu'il y a un événement inattendu qui va vous tomber sur la tête et c'est plutôt une mauvaise surprise. Mais pour d'autres, ça peut signifier justement un événement inattendu, c'est vrai, mais qui va tout bousculer dans le bon sens du terme. C'est vrai que ça parle d'émotions, d'une crise que vous pourriez subir, que vous pourriez mal vivre, mais que vous pourriez justement bien gérer et qui pourrait vous libérer d'une situation vraiment toxique ou d'un schéma de vie qui ne vous correspond plus aujourd'hui. Puis ça peut parler aussi d'un déménagement, très attendu depuis pas mal de temps, les taureaux, et qui vient à vous. Donc là, c'est vrai qu'il y a quand même des émotions assez fortes, sous-jacentes, durant ce mois de juin. Et là, avec la lame tempérance, vous allez apprendre à gérer vos émotions, à gérer la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc ça parle aussi de trouver des compromis, des concessions. Vous pourriez passer un entretien, dans le cadre du travail ou un entretien pour justement améliorer votre situation financière avec votre banquier. Ça signifie aussi ce besoin de vous ressourcer, de vous rapprocher de la nature. Vous pourriez prendre quelques jours pour vous détendre, pour vous ressourcer. Et puis ça parle aussi de guérison. Une guérison suite, en fait, eh bien, à cet événement inattendu ou à une rupture, rupture professionnelle, rupture sentimentale. Et c'est pour cela que vous avez besoin d'être seul, de vous retrouver seul avec vous-même, de réfléchir par rapport à ce que vous souhaitez dans la vie, dans votre quotidien. Et c'est vrai qu'avec la lame tempérance, il y a cette notion de guérir, de panser ses blessures. Suite à un choc, là avec la maison de Dieu, ou à une rupture avec le passé, ou à une rupture que vous pourriez vivre pour certains d'entre vous, bien sûr, durant ce mois de juin. Et on a de nouveau la même lame. Donc c'est pas anodin, hein, on a la lame tempérance, regardez là.
Donc, il parle bien justement de guérir, qui parle aussi de tergiverser, de prendre votre temps avant de vous décider. Il y a cette notion de guérison, mais il y a aussi cette notion de prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. Donc, il y aura pas mal d'émotions là durant ce mois de juin pour certains d'entre vous, les taureaux. Allez, on va passer au mois de juillet. Alors, une carte est sortie du jeu, vous avez pu la voir, la découvrir, et c'est le mât. Donc ça veut dire vraiment que là, vous êtes en mouvement durant ce mois de juillet, vous pourriez partir en vacances, vous pourriez déménager. Ça parle aussi de fuir une certaine réalité, de ce besoin vital de prendre le large, de vous aérer l'esprit, de quitter une ancienne situation, une vie qui ne vous correspond plus. Il y a vraiment de gros changements de vie là qui arrivent. Durant ce mois d'août, hein. Là, il y a quand même un virement à 180 degrés, un virage à 180 degrés que vous pourriez prendre, hein, et qui va tout changer dans votre vie. Là, ça annonce vraiment une transformation. Hein. Donc, je la mets de côté, je vais la mettre ici. Allez, première semaine, on a la roue de fortune. Une période de chance qui vous sourit. Une période de changement positif, l'empereur, la stabilité, la sécurité que vous aimez tant les taureaux. Et puis avec l'empereur, on a vraiment cette force, ce pouvoir, cette autorité, la lune, qui est très émotionnelle, très intuitif aussi à la fois. Et on a ici le pendu. Alors, on a là aussi un mois qui est scindé en deux parties. Un premier mois où vous effectuez des changements, vous passez à l'action, vous stabilisez votre vie ou un aspect de votre vie qui doit l'être. Et durant cette seconde partie, ça peut signifier que vous pourriez avoir des doutes, que vous allez devoir surmonter quelques blocages et que vous allez devoir faire du lâcher prise pour pouvoir justement passer au-dessus de vos doutes, de vos peurs ou de vos inquiétudes. Donc là, avec la roue de fortune, ça parle bien d'une période de chance, de changement positif qui se profile. C'est bien la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Là, vous y êtes vraiment, puis en plus, vous avez le mât là, qui signifie bien que vous êtes en pleine transformation, en plein changement. C'est vrai que ça peut parler de blocage, mais ici, vous tournez la roue à votre avantage. Vous débloquez votre situation, ou votre vie, ou un aspect de votre vie. Ok, on a l'as d'épée, donc l'as d'épée qui signifie bien que vous allez pouvoir prendre une décision, que l'univers vous aide. Comme je vous l'ai dit, il y a une période de chance qui vous sourit là, des opportunités qui s'offrent à vous. Donc l'univers vous envoie une opportunité pour vous de prendre le contrôle de votre vie. Et là, avec l'empereur, on a bien cette notion de contrôle. Vous êtes déterminé. Vous reprenez les rênes de votre vie, de vos projets, vous faites preuve d'autorité, vous ne vous laissez pas faire, vous passez à l'action, vous vous sentez plutôt dans une situation confortable financièrement ou professionnellement. Elle est très souvent, cette carte, liée au domaine professionnel. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a un nouvel emploi pour vous. Mais ça peut signifier aussi qu'il y a une certaine emprise dans votre boulot, peut-être de la part d'un collègue, ou peut-être de votre hiérarchie qui a une certaine emprise sur vous. Donc là, il va falloir apprendre à s'en détacher. C'est pas évident parce que c'est ça qui pourrait justement vous mettre dans une période de stress avec la lune juste à côté. Votre hiérarchie pourrait justement vous faire douter, pourrait provoquer en vous pas mal d'inquiétudes, de doutes, de stress. Donc attention, attention à ce que ça ne vous déprime pas hein, durant cette période. Hein. Et puis, ça peut parler d'un expert qui vous aide, justement, durant cette deuxième semaine. Alors, ça peut être un avocat, ça peut être un agent immobilier,
Ça peut être aussi un ami hein, qui vous aide, qui vous accompagne dans vos projets durant cette semaine. Qu'est-ce qu'on a là? On a de nouveau hein, la carte. Donc ça signifie bien que vous êtes dans une transformation en profondeur avec la tour qui correspond à la maison de Dieu dans le tarot de Marseille. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a un côté positif et négatif donc que vous retrouvez de toute façon dans toutes les cartes. Mais là, ça signifie bien une grosse transformation en profondeur qui peut être assez perturbante pour certains d'entre vous, qui vous met dans une situation inconfortable, mais c'est salutaire et libérateur. C'est pour du mieux. Et ça peut parler d'un changement de vie, d'un déménagement, d'un changement de carrière, d'une transformation de vous, de vous-même, pardon. Donc vous vous transformez, mais vous vous transformez pour le meilleur. Donc là, avec la lune, ça peut parler justement d'écouter votre intuition et de ne pas laisser vos doutes prendre le pouvoir. Comme je vous l'ai dit, ça peut parler d'un personnage ici durant ce mois de juillet qui pourrait vraiment vous déstabiliser. Donc là, il va falloir reprendre le pouvoir, reprendre votre situation, votre vie en main. Donc ça peut parler d'un léger marasme que vous pourriez ressentir dans lequel vous pourriez vous trouver, pardon, durant cette troisième semaine. Donc vous allez ressentir quelques doutes, quelques peurs, quelques inquiétudes. Ça peut être dû aussi au passé qui revient dans votre vie aussi. Mais j'ai la sensation qu'il peut y avoir un conflit avec autrui, quelques disputes, quelques prises de bec. Ça peut être lié au professionnel ou ça peut être lié aussi à l'amical ou à votre relation sentimentale. Qu'est-ce que j'ai en plus? Ah, une carte s'est retournée, vous l'avez vu. Deux cartes se sont retournées. Alors, je vais commencer par la première. J'ai ici le cavalier de deniers. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ces peurs, ces inquiétudes peuvent être financières. Ça signifie aussi qu'il y a une opportunité pour vous d'arranger votre situation financière ou professionnelle. Quelqu'un va vous aider, je vous en ai parlé. Il y a vraiment une aide ici qu'il ne faudra pas refuser, qui pourrait justement changer la donne. Et là, on a le diable. Alors le diable ici, ça peut parler de vos finances justement. Une amélioration de vos finances. Mais ça peut parler aussi de conflits, je vous en ai parlé, de disputes avec autrui, d'une autorité qui a une certaine emprise assez, on va dire, toxique, voire malsaine. Donc dans le cadre du travail, ça peut parler de votre hiérarchie, mais ça peut parler aussi d'un collègue qui peut être assez toxique. Ça peut parler aussi de vos peurs, de vos inquiétudes qui prennent trop le dessus durant cette seconde partie de ce mois de juillet. Il va falloir travailler dessus, il va falloir trouver un équilibre entre vos peurs, c'est normal d'avoir peur, et vos désirs. Parce qu'il ne faut pas laisser ses peurs justement prendre le dessus dans votre vie. Avec le pendu, il y a des blocages, c'est vrai. Il va falloir composer, il va falloir faire avec durant cette semaine. Ça peut parler aussi de lâcher prise. Vous allez apprendre à lâcher prise. C'est ça qui va faire que vous allez vous sentir beaucoup mieux à la fin de ce mois de juillet, voire en ce début de mois d'août. Vous allez prendre la situation comme elle vient. Et vous allez saisir les opportunités. Vous allez prendre le temps pour vous, pour réfléchir, afin de faire les bons choix ou de prendre les bonnes décisions. La situation, elle est comme elle est. Vous ne pouvez pas la changer, la modifier. Vous allez faire avec et vous allez profiter justement de ce moment pour vous, pour améliorer certaines choses, pour changer vos habitudes, changer d'autres choses. Dans votre vie ou dans un espace, oui, on peut dire ça comme ça, ou dans un domaine particulier de vie. Allez, qu'est-ce que j'ai là? Ok, j'ai une lame majeure là aussi et j'ai la grande prêtresse. Donc la papesse dans le tarot de Marseille, qui signifie bien qu'il y a réellement un travail intérieur. Vous allez faire preuve de plus de clairvoyance à la fin de ce mois de juillet. Ça va vous aider à y voir clair sur vous et sur ce que vous souhaitez. Ça parle aussi d'intuition. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition, vous pouvez vous y fier.
Elle pourrait vous donner justement les réponses que vous cherchez. Et puis ça peut parler d'une envie de reprendre vos études, d'une envie de suivre une formation particulière dès cette rentrée. Allez, on va passer au mois d'août. Allez, qu'est-ce qui vous attend là au mois d'août, les taureaux? Allez, première semaine, on a la lune. Deuxième semaine, on a le pape. Troisième semaine, on a le chariot. Et quatrième semaine, on a la lame tempérance. Donc la situation s'arrange. Il est vrai que vous allez encore vous inquiéter, stresser un petit peu durant cette première semaine d'août. Mais ça va se débloquer durant la deuxième, troisième et quatrième semaine. Moi, j'ai la sensation que vous allez retrouver le sourire, retrouver la motivation, l'envie. Vous allez vous faire accompagner, peut-être vous allez vous faire suivre par un coach ou par un thérapeute ou par un guide, un mentor qui va vous donner d'excellents conseils et qui va switcher en fait votre vie ou un aspect de votre vie qui stagnait depuis pas mal de temps. Parce que là, je vois que vous évoluez. Hein, que vous avancez, que vous accélérez les choses, plus particulièrement durant cette troisième semaine. Vous allez apprendre soin de vous. Vous allez apprendre à vous connaître, à vous soigner en quelque sorte, à guérir, à panser vos blessures. Je sens bien ici que vous allez vraiment vous détendre et retrouver une certaine sérénité, une certaine harmonie intérieure à la fin de ce mois d'août. Donc là, avec la lune, ça parle bien de stress, de questionnement. Ça peut parler de ces disputes dont je vous ai parlé, qui vous stressent, ou de ces désaccords qui vous minent, qui minent votre morale. Donc attention que ça ne dure pas trop longtemps. Moi, j'ai la sensation que ça va durer 1 à 2 semaines pour certains taureaux, mais vous allez vite vous relever comme je vous l'ai dit, hein. Ça n'a pas duré longtemps, tant mieux. Et puis, un conseil aussi, là, du tarot, c'est d'écouter votre intuition. Je vous l'ai déjà dit, mais votre intuition est bonne. Hein. Ok, on a ici le valet de bâton qui parle bien justement d'une évolution, d'une avancée qui se profile. Donc c'est plutôt rassurant. Vous êtes sur la bonne voie, même si ça vous fait peur et même si c'est difficile à gérer au niveau émotionnel. Avec le pape, il y a bien l'officialisation d'un projet. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous signez un contrat là durant ce mois d'août. Ça peut parler, comme je vous l'ai dit, de recevoir des conseils d'une personne experte dans son domaine, d'une personne avisée. Vous pourriez suivre ces conseils, vous pourriez vous-même donner des conseils aux autres. Donc, il peut s'agir de votre métier. Si vous êtes coach, vous pourriez coacher un groupe de personnes. Vous pourriez avoir plus de responsabilités et gérer un groupe de personnes dans le cadre pro. Ça signifie aussi que vous êtes protégé. Vous avez la protection du pape. Il y a un contrat qui pourrait être signé ici. Ou vous pourriez vous faire accompagner par un homme de loi, c'est-à-dire un avocat ou un conciliateur, pour gérer une situation difficile. Donc là, on a une la majeure et elle est magnifique. C'est très prometteur, c'est le monde. Le monde est à votre portée. La communication est plutôt intense. Il y a une communication avec l'étranger, il y a un projet qui est signé lié à l'étranger. Donc pourquoi pas un déménagement à l'étranger, pourquoi pas l'achat d'un bien immobilier à l'étranger, pourquoi pas la signature d'un contrat professionnel lié à l'étranger ou d'un contrat financier,
d'un placement fructueux à l'étranger ou bien d'acter des vacances. Vous allez pouvoir partir à l'étranger au mois d'août. Donc ça va être officialisé. Après pas mal de démarches, après pas mal d'attentes, vu les conditions sanitaires, vous allez pouvoir prendre des vacances et partir à l'étranger. Donc là, durant la troisième semaine, bon, on sent une évolution, une progression dans votre vie ou dans un aspect de votre vie qui a été longtemps en stand-by, une évolution professionnelle, financière. Vous êtes en train d'atteindre vos objectifs petit à petit, pas à pas. C'est une bonne chose, c'est excellent. Ça peut parler de déplacement tout simplement dans le cadre professionnel ou bien pour prendre des vacances, hein. Donc c'est vrai que certains taureaux seront en vacances durant ce mois d'août, hein. Donc c'est plutôt une bonne chose pour vous parce que vous attendez ces vacances justement pour prendre soin de vous, pour vous ressourcer, pour lâcher prise et pour, voilà, pour vous détendre. Vous avez besoin de sérénité, de plus de sérénité pour pouvoir redémarrer et recharger vos batteries, hein. Ok, super, on a de nouveau la même carte, hein. C'est le pape ici. Donc oui, cette évolution, elle est positive, elle est officielle, cette progression, elle est officielle. Vous signez un papier important, vous signez un contrat, que ce soit un contrat pro, financier, tout dépend de votre situation, évidemment, personnelle. C'est à vous de l'adapter, hein, ce tirage. Voilà, vous signez, vous avez la bienveillance du pape, la protection du pape, donc il y a vraiment un dénouement positif, une évolution positive pour vous. Donc là, vous avez vraiment l'aval de l'univers, l'aval du pape, donc vous pouvez y aller, vous êtes sur la bonne voie, continuez. Avec la même tempérance, vous allez prendre soin de vous, vous allez gérer vos émotions, vous allez dialoguer avec les autres, trouver des compromis avec les autres. Donc c'est une bonne chose, je sens beaucoup de communication. Il y a un entretien aussi pour certains d'entre vous, dans le cadre professionnel, ou bien un entretien important avec une personne de votre entourage. Donc je sens là une réconciliation qui se profile pour certains d'entre vous. Et puis il y a aussi une harmonie que vous retrouvez intérieure, hein. C'est une bonne chose. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a justement votre état d'esprit, hein, le 9 d'épée. Donc, vous allez sortir de cet état d'esprit négatif, de ces insomnies, de ce stress que vous ressentez par rapport à une épreuve ou par rapport à votre situation professionnelle que vous vivez mal, je vous en ai parlé, ou par rapport à votre situation financière instable qui vous stresse, qui vous fait peur, vous inquiétez de vos finances. Il y a vraiment une amélioration. Il y a ici, le tarot vous encourage à vous soigner. Si vous souffrez d'insomnie, veillez à vous coucher beaucoup plus tôt, si c'est dû à cela, évidemment. Mais si c'est dû au stress, travaillez sur votre intérieur. Là, il y a un guide qui peut vous aider à justement retrouver une paix intérieure, une quiétude intérieure qui va vous permettre de mieux dormir et qui va vous permettre de retrouver de l'énergie. Parce que vous avez besoin d'énergie, les taureaux. Donc, il est indispensable de vous faire accompagner si vous n'arrivez pas à le faire tout seul. Parce que c'est des changements sur certaines habitudes, etc., etc. Voilà, les taureaux. Donc, j'espère que ce tirage trimestriel va vous booster, va vous aider surtout à passer cette période. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo, à me laisser un petit pouce j'aime. Ça m'encourage à continuer toutes ces vidéos ici sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Vous avez le bouton s'abonner pour être au courant de toutes les vidéos qui seront mises en ligne ici sur la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin, me consulter en privé, vous avez le lien de mon site qui est sous la vidéo. Je propose des prestations, des services de consultation. Puis si vous souhaitez obtenir vos propres réponses en apprenant le tarot, en apprenant à tirer les cartes, j'ai réalisé des formations avancées en ligne sur le tarot. Vous les avez sous la vidéo, vous avez des liens, il vous suffit de cliquer pour en savoir plus. Je vous retrouve dans de prochaines vidéos ici sur la chaîne. Merci à vous, prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao ciao.